magnifique. Hein. Bonsoir Balaké. Oui. Bonsoir. Alors tu vois, tu as séduit le public. Je voudrais qu'on voit vos mains. Et... Vous avez des mains somptueuses, oui. Vraiment. Oui. Merci. Ah non, mais c'est, vous avez des mains magnifiques. C'est formidable. Et ouais. Ce qui a été extraordinaire, je dois vous le dire, c'est l'œil de la harpiste. Oui. C'était formidable. On sentait de l'émotion et de la curiosité. Et vous, vous étiez tellement attentif sur votre instrument, à bouger vos mains magnifiques. C'était super. Oui, oui. On peut dire que la kora est un peu la harpe africaine. C'est ça, oui. Je précise que Balaké Sissoko est vraiment un des grands virtuoses reconnus de la kora. Et cet instrument se joue toujours comme ça, posé sur un socle, ou est-ce que parfois on le joue en le tenant avec les mains? Non, bah en fait, quand on s'assoit aussi par terre... Donc il y a les sons du bois qui donnent, ils sont graves. Mais si c'est levé, donc le son est un peu léger. Alors cet instrument, la kora, est surtout joué dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, en fait, c'est le territoire mandingue, donc ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc le territoire mandingue, c'est ce qu'on appelle l'ancien empire mandingue. Tout à fait. Donc il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Gambie, il y a Guinée-Bissau, il y a Guinée-Conakry, il y a Burkina jusqu'à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, c'est ce zone-là. Alors peut-être on peut entendre lentement, je crois qu'il y a 21 cordes. Oui. Et alors, la caisse de résonance, c'est quoi? C'est une demi-calebasse? Une calebasse coupée en deux? Oui, c'est ça. Il y a des calebasses qui sont un peu plus gros pour la sonorité et l'acoustique. Mais pour l'avion, donc on est obligé de faire un tout petit peu plus... Donc ça, c'est une kora spéciale avion? Tout à fait. J'aime beaucoup cette histoire. Et en quoi sont les cordes? Parce qu'on m'a dit qu'au départ, c'était en boyau d'antilope. Tout à fait, oui. Mais celle-là, non? Non, là, c'est le fil des pêches. Oui, donc maintenant, on respecte les antilopes. Voilà. On ne va plus leur prendre leurs boyaux. Ouais, c'est pas facile à trouver aussi. Et puis, Quoi, des boyaux d'antilopes? Ouais, c'est pas facile, donc. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit de la kora que c'est l'instrument du griot? Et qu'est-ce que c'est qu'un griot, déjà? Bon, en fait, griot, c'est les noms que les colons qui nous ont portés. Sinon, nous, on dit Nyamakala ou Djeli. Voilà. Donc griot, ben, c'est une casque vraiment qui est beaucoup respectée chez nous sur le territoire mandingue. Donc, et les griots sont ceux qui font les récits tous et les la démarches, musique. Un peu comme un médiateur. Donc ils ont toutes les forces et qui puissent nous apporter de la paix. C'est à la fois des musiciens, des conteurs et, si je comprends bien, des sortes de médecins de l'âme. Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'avais envie de voir comment on ressent les sentiments d'une culture à l'autre. Donc, par exemple, si je te demande de faire quelque chose qui évoque la tristesse, qu'est-ce que tu nous joues ? Bravo, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, je trouve ça pas du tout triste. Non. Ça ressemblait presque à un air irlandais de lutte. Et c'était assez céleste, mais ça ne semblait pas triste. Pour toi, ça, c'est triste. Ouais, un tout petit peu, oui. Un petit peu. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le contraire? La joie. La joie, on est... On est tous d'accord. On le ressent mieux. C'est tellement virtuose et puis c'est céleste, quoi. C'est céleste. Et alors le sentiment amoureux? Le sentiment amoureux, ok. tu connais ça? Oui. Thank you.
Pour moi, ça serait ça, la tristesse. Peut-être que l'amour, c'est la même chose que la tristesse, finalement. L'amour, c'est quand même le sentiment le plus complexe. Donc, les lectures sont très multiples. Oui, et alors, quand tu joues, en fait, tu improvises à chaque fois. Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont fixées note à note? Ou est-ce que c'est toujours improvisé? C'est l'improvisation, parce que quand j'ai fait même des concerts avec des musiciens classiques qui l'écrivent, moi, je n'ai pas de l'écriture, ils me laissent vraiment une place de l'improviser. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien précis. Donc, c'est juste l'improviser, inspirer dans les lieux, avec l'atmosphère. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs concerts ou disques que tu faisais, par exemple avec le violoncelliste Vincent Segal, ou avec Andy Emler, le pianiste de jazz, ou avec Ludovico Einaudi. Et du coup, évidemment, je ne résiste pas, je te proposerais bien une petite improvisation, tous les deux, si tu en es d'accord. Avec plaisir, oui. Mais comme j'ai pensé que peut-être le son du piano n'allait pas forcément aller avec celui de la cora, enfin, j'ai eu un doute, je te propose un piano, mais beaucoup plus petit, ce qu'on appelle, regarde, un piano pouce. Mais tu connais ça, puisque ça vient d'Afrique. Oui. Moi, j'appelle ça piano pouce, mais ça s'appelle comment, Senza? Flingolon Balani. Voilà. Au Mali, nous, on appelle ça Flingolon Balani. J'allais le dire. Kolimba. Oui, Kolimba aussi, ouais. Aussi. Dans chaque région, il y a un nom différent. Voilà. Mais alors, moi, j'aime bien, c'est mon piano de voyage. On se demandait ce qu'on emportait en voyage. Moi, j'emporte toujours mon petit piano de voyage. Alors, on essaye? Oui. Balaké Sissoko, on le retrouve le 9 septembre.